Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous proposons diverses vidéos de divertissement afin de vous amuser tout au long de la chaîne. La citation du jour, c'est « L'estime de soi vient de la façon dont on prend soin de soi ». Si vous voulez la recette de ce délicieux brownie, nous le communiquerons dans les prochaines vidéos. Bon appétit! Aujourd'hui, on va faire notre produit lavant fait main, donc en vue de la situation de confinement, on essaie de trouver des astuces pour pouvoir faire nos produits nous-mêmes à la maison. Pour cela, on aura besoin du savon de Marseille, donc naturel de préférence évidemment, du savon noir et du bicarbonate de soude. Donc voilà, ces deux-là sont les principaux éléments, lavant et le bicarbonate va désincruster les taches. Let's go! Nous aurons besoin de 2 litres d'eau. Bon, là, il n'y a qu'un litre, mais bon, fois 2, donc ça fois 2. Nous aurons besoin de 75 g de savon de Marseille, en copeaux de préférence. 60 g de savon noir et 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, enfin, ce qui vaut à 70 g. Suite à ça, on va mélanger donc les 3 éléments ensemble afin de la faire fondre par la suite. Donc voilà, comme vous voyez, le savon était dur et donc on a essayé de le transformer un peu en copeaux. Donc on verse ça dans la casserole. Ensuite, on va mettre le savon de Marseille, donc toujours dans l'ordre. Le savon noir, pardon, toujours dans l'ordre. Ouais. On va mettre le bicarbonate en vernis. Ensuite, on va mettre 2 litres d'eau. Donc on remplit 2 fois ça, comme j'ai dit précédemment. Donc, on remplit tout. On va avoir une petite réaction chimique avec le bicarbonate de soude. Voici. Et maintenant, on fait quoi? Et maintenant, donc je vais aller le re-remplir ça. On pourra faire chauffer. On a mélangé, on a fait chauffer. Et bien sûr, on continue à touiller pour bien mélanger, bien faire fondre le savon de Marseille. Et on a également préparé un contenant donc, de 2 litres d'avant. Pour faciliter le fait de transvaser le liquide, ben, on a utilisé un entonnoir. Donc voilà, bon, après, nous ici, c'est trop grand, donc on va se débrouiller avec ça. Mais évidemment, c'est mieux que ce soit de la bonne taille, quoi. Comme vous le voyez, cette texture-là, donc c'est... mousse, enfin un peu mousseux. Et donc voilà, là j'attends vraiment que les derniers copeaux fondent. Je suis trop fière de nous. Une fois qu'on a mixé notre liquide pour avoir une meilleure texture, trouver un autre goût, on va passer du coup au transvasage dans notre bouteille de 1 litre. Pourquoi on le met en bouteille maintenant? On va profiter justement qu'il soit encore chaud pour pas qu'il se solidifie dans le bol. Nous permettre de l'avoir directement ici encore chaud et de le laisser reposer dans les bouteilles. On laisse reposer et après on verra le résultat quand c'est froid. Le produit est maintenant terminé, donc voilà le résultat. Après l'avoir transvasé, on obtient cette texture-là. Avant d'utiliser en machine, petit conseil, n'hésitez pas à le mélanger parce que le bicarbonate c'est pas sans sou, donc il vaut mieux bénéficier de tous les bienfaits du produit. Si vous avez des conseils, donc tout ce qui est foot hacks et autres produits maison, hashtag pull de grand-mère, conseils de grand-mère, n'hésitez pas à nous écrire dans la barre d'infos. Dites en commentaire les food hacks, voilà. Les challenges, ou recettes maison à faire, ce sera plus facile. Voilà. J'aime bien tout ce qui est artisanal, donc n'hésitez pas à nous le dire. Ouais. Voilà. Petit mot de la fin. N'hésitez pas à vous abonner également et de mettre des pouces bleus si vous avez aimé, comme ça je peux un peu voir si ça plaît à la majorité. Et partage. Et partager, ouais, un maximum. Voilà, des conseils c'est toujours bien à partager. Voilà. Ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. Et à la prochaine. Et dites-moi si ça a fonctionné pour vous également. Si vous avez refait la recette à la maison. Voilà. Et à bientôt. Bisous, petit chou. Ciao.